Allez, salut tout le monde, c'est Thèse de Récupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 16. Alors, c'est l'épisode. Alors, pour vous. Un petit peu pour vous récapituler, c'est l'épisode numéro 16, mais de la longue série de vidéos qui vont venir après de Diablo 3, le retour du Nécromancien, sachant que c'est la dernière extension qui est sortie. On se retrouve du coup pour Diablo 3. Écoutez, on va jouer, on va directement jouer. Alors, je sais plus où je m'étais arrêté. Alors je sais plus du tout, on va voir où ça nous amène. Alors voilà, on se retrouve pour du Diablo 3 les amis. Hein, encore 20 minutes de Diablo pour cet épisode. Ok, pour les gens qui ne savent pas, c'est que je vais pour monter le Diablo en question. D'abord, vous aurez l'avant-première sur la chaîne YouTube. D'Azur Ikperastia, un peu long play si vous voulez. Et vous aurez également la vidéo en intégralité. Donc les 2-3 heures de vidéo en intégralité sur la chaîne YouTube normale, mais bien plus tard. Voilà, comme ça au moins vous savez ce que je veux en venir. Alors ça met un peu de temps, c'est bizarre, ça met même assez longtemps. Voilà. Allez. Eh ben dis donc. C'est mon internet qui fait ça? Vous trouvez pas que ça met du temps? Juste pour charger le jeu là? Oulala, d'accord. Bah dites-moi, ça lag. Dans de très rares occasions, il se peut qu'un gobelin au trésor ouvre accidentellement un portail en mourant. D'après la légende, ces portails conduiraient à un monde de richesses et de dangers insoupçonnés. Oh, c'est intéressant ça. Ça n'était pas ça à l'époque. Bon bah je crois que je vais devoir redémarrer le jeu, il a crash. Ça a crash là non? Je vois les trucs bouger en bas mais j'ai l'impression que ça a plus crash qu'autre chose. Donc je vais devoir sûrement redémarrer le jeu. Ma foi. La connexion est perdue. Je m'en doutais. Putain. Oh, ça va pas me gonfler. Ça va pas. Ça va me gonfler, je sais. Ça va me gonfler. Putain. Oh putain, genre pile au moment où je joue quoi, sérieusement. Pourquoi ça arrive tout le temps avec à moi ça? Il est où ce putain de truc à la con là? Mais il me parle de quoi? Il est connecté, mais what? Attendez, il se passe des choses. Putain, ça me gonfle ça, mais à un point, vous pouvez pas l'imaginer. Ah merde, authentification de mes couilles là. Aucune requête est en cours, tu te fous de ma gueule là? Ah si, c'est ça. D'accord. Bon, je reviens. Alors du coup, on s'était arrêté, je sais même pas le où, je sais même pas ce que j'avais fait. Il y a des, de toute façon, il y a des gens avec dans lesquels on doit parler, donc on va voir. Les origines de Virion. La perle de la mer.
faisais des filets de poisson qui puent la perte de vue. Et ton métier? Je suis en cours de reconversion professionnelle. Tu as fait des boulots peu respectables, c'est ça? Balivert. Je suis le voleur le plus honnête que vous connaîtrez jamais. On recherche une relique de couleur rouge, à peu près grosse comme le poing. Elle a été dérobée il y a 2 mois, lors d'un odieux cambriolage de la banque de la Guilde des Marchands. Les personnes interpellées n'étaient pas en possession de la dérobée. Cette relique manque cruellement à son légitime propriétaire. Il est prêt à offrir une récompense à quiconque la lui rendra. Ok. Les Vauriens et Pétinant. Putain, c'est pas. J'arrive plus à. Je suis trop fatigué là aujourd'hui. De ma vie, je n'en ai trouvé qu'une qui ait valu la peine d'être gardée. Mais elle m'a échappé. Même ici, il n'est pas normal que tu harcèles toutes celles qui croisent ta route. C'est bien vrai, oui. Des fois, c'est elle qui devrait venir me harceler. D'accord. Alors, du coup, il y a l'artisan. Elle a quelque chose à dire. Le père d'Eidrig. Vous disiez que vous viviez avec votre père quand Tristram a été brûlé. Parlez-moi de lui. Mon père était diplomate. Il avait un manoir à Calderon avec des serviteurs. Des terrasses. Ce genre de choses. Tout a changé quand les ennuis ont commencé. Je ne sais pas trop comment. Le bruit s'est mis à courir que notre père était responsable de la communauté. Son travail s'est effondré. Plus personne ne voulait lui parler. Et ça n'a pas été le cas? Non. J'ai préféré ne pas en parler maintenant, si ça ne marche pas. J'ai du travail. J'attends de réfléchir si ce serait pas intelligent de lui donner au Templier. Ouais, mais ça fait plus de robustesse et plus de récupération. En plus, c'est à une main. Aïe, 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 on va les donner. C'est important. Et nous, on va pas se. Voilà, et nous, ça ne servira à rien. Voilà, bien. Alors, du coup, c'est bien, on peut même former. Bon, c'est 10 000, donc on va éviter, mais on peut à nouveau faire des choses. Alors, du coup, on va parler un peu à l'étranger. Où chercher le troisième? Je me souviens. Une traînée lumineuse. Un village. Des bateaux de pêche. Bravo, ma chère Léa. Le passeur va vous y amener. Oh putain. La mystérieuse cabale. Déjà affronté cette cabale? Je ne sais plus. Mais il flotte autour d'elle une noirceur qui m'est familière. Comment ça? La cabale pourrait être une émanation d'un mal plus grand encore. Peut-être que je comptais la combattre. Et pour combattre, il te faut l'épée. Son enfance. Mon oncle et moi, on voyageait partout dans le monde à la recherche de reliques et de savoirs perdus. C'était tellement passionnant. Courir partout dans les temples antiques, déterrer des cryptes oubliées. J'ai vraiment de la chance que mon oncle m'ait élevé comme ça. Tout ce qu'il m'a appris. Mais aujourd'hui, je ne sais plus. On voit ce que son obsession pour ses recherches lui a coûté. Nous a coûté à. Intéressant. Parler. Il est où Kane? Bah attends, mais c'est pas lui. Mais what the fuck, il fout quoi là? D'accord, il y a un livre que je n'ai jamais lu. Je voudrais pouvoir offrir une autre vie à Léa. Une vie plus normale. Mais hélas, tel n'est pas son destin. Quand je décéderai, elle seule pourra poursuivre mon œuvre. L'avenir du monde est en jeu. Ça peut être, c'est très intéressant. Alors du coup, on va aller parler au batelier, les amis. On va aller parler au batelier. Alors c'est quoi les nouveautés? Oh d'accord, dans la merde. Oh putain. Ah oui quand même. Ouais, des nouveautés qui peuvent m'intéresser du coup. Mais bon, c'est cher, 3000 quand même. Hein, c'est cher. C'est cher, 3000, non? Parler.
de noire vision. Impossible. Putain, 3000. Non mais oh, je suis pas riche moi. Hein. Sérieusement, 3000. Oh, ça fait cher. J'attends de regarder s'il n'y a pas des autres monsieur à qui je dois leur rendre des comptes entre guillemets. Non, il y a personne. Donc on va aller du coup en direction de là où il me dit d'y aller tout simplement. C'est-à-dire que si on va parler au batelier, si on part d'ici, on risque de plus y revenir pendant un petit moment. On va partir. Ouais, c'est ça, Wartam. Je veux bien vous emmener, mais soyez sur vos gardes. Ouais, c'est parti. Eh bien, dis-moi, je suis en train d'attraper la crève. Et du coup, voilà le point de sauvegarde atteint. Allez jusqu'à au centre de Wartam. C'est bien du coup que je fais ça aussi sur la chaîne, c'est que ça me permet d'enchaîner autant de temps si vous voulez de vidéos sans que j'ai à stresser pour me dire ah merde il faut que j'ai fini cette zone rapidement ou pas, vous voyez. Donc du coup si je veux m'arrêter c'est moi qui décide entre guillemets pour reprendre la prochaine fois et c'est ça qui est bien. Ça va là. Boum. Plus de fureur. Ah, force. Ok. Dans la chapelle. Un endroit sacré pour une relique sacrée. C'était beau de dire ça. Boum. 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 Du coup, il va y avoir des nouvelles miniatures hein, qui vont revenir. Boum. Boum. S. Niveau 20. Oui, niveau 20. Niveau 20. Bien. On va aller voir les compétences. Il y a tout qui est en train de se débloquer. Alors du coup, dans les compétences, dans les armes secondaires, il y a marteau d'éance. Alors il y a trombe. Vous lancez un enchantement d'attaque tournoi et qui frappe tout sur votre passage. Du coup, bah, qui frappe tout sur votre passage, ça a l'air bien ça. Donc du coup, on va l'accepter. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il n'y a plus rien là? Ah si, là. 20. Je vais cliquer pour choisir une compétence passive. Donc du coup, ça vous affiche 40% de points de dégâts. Alors, compétence passive. Ok. Les dégâts qui devraient vous tuer réduisent à la place vos points de vie. Ok. Vous bénéficiez d'un bonus de fonction de l'arme. Ok. La durée de vos cris doublés après avoir 100 mètres, ok. Vous infligez 25% de dégâts supplémentaires lorsque vous approchez de votre maximum de fureur. Ben voilà, c'est bien ça. Oui, il faut y aller sur les dégâts. Hein. Quand on est bourrin comme ça, enfin bourrin, vous m'avez compris. Hein, mais quand on est un peu costaud, si voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut avoir une arme de destruction massive, entre guillemets. Oh, bah non, c'est de la qualité machin chose, bah non, c'est bad ça, c'est très bad. Oh, ça c'est les niveaux de Paragon, ah bah oui, mon dieu, c'est quand on pourra avoir ces fameux petits niveaux, ça m'aidera. Sachant qu'il y a bientôt la BlizzCon qui paraîtra, c'est le 1 et le 2 novembre, si mes souvenirs sont bons, donc peut-être on aura... Peut-être on aura du coup une nouvelle extension que je prendrai bien sûr. Alors du coup on peut choisir aussi une compétence pour lui. Alors augmente votre génération de ressources. Quand votre vie descend trop bas, le Templier vole à votre rescousse, il renverse les ennemis proches et vous soigne. Ça peut être bien. Mais bon. Est-ce que ça pourrait pas être bien aussi? Inspiration. Moi, personnellement, je choisirais celle-là. Voilà, je choisis celle-là.
Il lui manque que la relique à avoir. Bah du coup on va avancer hein. Il n'y a pas le choix de toute façon. Nous atterrissons là où il y a énormément d'ennemis. Partez de fureur. Boum. Putain, ça fait tellement mal. Si quand on va peut-être pouvoir l'augmenter en dégâts, ce machin, ça va faire vraiment... ça va être violent. Ouais bon, tes serviteurs seront un peu plus puissants parce que lui, c'est un... Putain, sérieusement? Allez, maintenant, c'est parti pour les sorts. Et du coup... Oulala, je suis désolé de ces lags les amis. J'ai fait beaucoup de choses sur l'ordinateur donc du coup... J'ai quelques petits lags quand il y a le jeu demande... Ah bah voilà. L'attaque permet souvent à leur maître de préparer des sortilèges infernaux pour achever. Je cherche la garde. Sorry, je t'ai un peu coupé. Ébris d'une magie étrange. Nous l'avons trouvé il y a quelques jours. Je regrette de l'avoir emporté ici. Venez, je l'ai confié à Virgile. Ouh. Ça c'est bien ça. Ça c'est... Oh, ça c'est putain de bien ça. Du coup, je vais même pouvoir lui donner mon ancien. Ouais. J'ai renvoyé. Je suis abruti. Ça c'est un défaut du jeu. Ils auraient dû demander la confirmation de le renvoyer. Engagé. Par contre, l'inventaire est là. Oui, l'inventaire est là. Ils auraient dû quand même demander. Je trouve que ça, c'est un peu con, non? Enfin, je trouve hein, que c'est vraiment un peu débile. Lui, on va pas s'équiper. Hein, ça, il est hors de question. Voilà. Comme ça. Normalement, l'autre, on peut l'engager, je crois. Inventaire et compétences. Ah ouais, non, mais l'autre, c'est de la merde. Je suis désolé, mais mon con... Ah, on peut jouer. Les coups critiques que font le brigade vous infligent temporairement davantage de dégâts. Augmente vos chances de coups critiques et celles du brigade. Les coups critiques font que le brigade et vous infligez temporairement davantage de dégâts. Ça. Ah. Mais bon, toi, j'ai pas envie. Hein. Toi, tu restes là, t'es bien. On va juste à artisan tous les d'accord ouais, j'ai fait un peu le con, c'est pas bon, c'est pas grave. Alors du coup on va recycler, merci, et c'est reparti. Ah, ça a ouvert une nouvelle porte. On va quand même un petit peu explorer ici pour savoir s'il n'y a pas des livres, des bouquins, bref, des choses intéressantes. Oh, on pourra peut-être continuer derrière. Ouais, c'est une zone qui permettra peut-être de continuer derrière. Donc du coup, on va se rendre dans la cave de la chapelle de Wartham. On va voir ce qu'il y a. Ça a l'air d'être un petit peu le bordel. Oui, des pièces d'or. Oh, 200. C'est bien ça. C'est bien. Du coup, les anciens, elle n'est plus là. Pendant que tu jouais à l'héroïne ici, je me suis emparé de tes amis et des trois fragments de l'épée. J'aurais dû m'en douter. Je dois vite retourner chez Kane. Elle fait chier quand même cette femme. Hein. Elle est toujours entre nos pattes et tout. Vous voyez, c'est l'ennemi dans les films où l'autre, elle est presque elle arrive au bout du truc et finalement, eh ben non. Eh ben non. Et après, il y a 30-40 minutes de film derrière. Ça se passe toujours comme ça, hein, donc... Oh my fucking god, ah oui, quand même. Ils sont motivés. Toute cette cruauté, ce
mon maître Bélial. Absolument tout. Oncle Descartes. What the fuck? Elle s'est révélée, Léa. Putain, elle est... Oh putain, Léa, elle est vénère. Oh, oui. Épée de la légende. Si vous avez reconnu la ref. La vérité. Il décède. Et voilà. Il meurt. Eh ben, du coup, oui, ça fait 2 points de sauvegarde, ça servait à rien, mais bon. 3 points, ok, il y a un bug, 3 points de sauvegarde. C'est bon. Il y a eu 3 points de sauvegarde, ma foi. Il ne faut pas culpabiliser. C'est à Magda de payer pour la mort de Kane. Magda. J'ai aperçu les pensées de Magda. Elle s'est enfuie vers les hautes terres. On peut les rejoindre en traversant les cavernes au nord de Wartham. Ah. Je vous préviens. Voilà. Elle vous attendra. Je suis prête à l'affronter. Oui, alors avant d'affronter qui que ce soit, j'aimerais juste savoir si le gars. Non, il y a personne qui veut me parler. Je vois sur la carte si, mais. Je vais voir derrière quand même. Voilà, donc il y a Léa qui veut. Le pouvoir de Léa. Putain, c'est une X-Men en fait. Il n'a jamais abandonné. C'était vraiment un monde de merveille. Ah ben j'imagine, il t'enseigne des X-Men quoi. Ça va, hein. La brigade, parler, se battre à Port-Royal. Tu as appris à te battre. C'est mon frère qui m'a appris quand nous étions jeunes. Il a pensé que l'arbalète serait l'arme parfaite pour moi, puisqu'elle me laisserait le temps de déguerpir si je ratais complètement mon coup. Et où est-il aujourd'hui? Oh. Il est toujours à Port-Royal. Je pense qu'il y restera un temps certain. L'initiation. Templier. Sur l'ordre des Templiers. Pourquoi est-ce qu'on efface votre passé? Notre initiation nous arrache à notre passé impie. Pour que nous puissions voir l'avenir en toute clarté et nous préparer pour l'ultime combat. Je vois. Et comment est-ce qu'ils prennent vos souvenirs? Par la sorcellerie? Ils m'ont enchaîné à un lit, puis ils m'ont battu. Le troisième jour, j'étais fou de douleur et de colère. C'est là qu'ils ont commencé à me fouetter. Ils me disaient que je revivais tous mes péchés, tous les méfaits qui m'avaient apporté une joie impure. Le fouet a extirpé cette joie de mon corps, puis le péché, le laissant pur. C'est donc de la torture. Vous autres Templiers avez une étrange conception de la sainteté. Vous ne comprenez donc pas. L'ordre Templier essaie de protéger l'humanité de l'extinction. Que représente ma douleur face à un tel but? La mort de Kane par Myriam. Kane était un homme bon, capable de voir au-delà de ce que ses yeux lui montraient. Sa mort est une grande perte. Magda et sa cabale ont payé cher pour leur acte. La vengeance n'est pas trop mon truc d'habitude. Mais là, je dois bien dire. J'espère. Tu as bien raison. Alors du coup, en direction de la nouvelle
Tristram et on va tu téléportes dans la nouvelle Tristram et on va partir dans la caverne de la chapelle de Wartham dans lequel où il faut entrer dans la fameuse caverne d'Arena au nord de Wartham. D'Arania plutôt. Et du coup, c'est parti. Nous allons affronter cette peste. Déjà, il y a un village mort. Loge mort plutôt. Est-ce que c'est grand? Sans doute. Oui, là, on fout des cadavres. Il peut y avoir des livres et tout. Pic de Wartham. Oh, d'accord. Des spiders. Vas-y. J'ai marché sur l'œuf quand même. D'accord, ça fait rien. Nouveau savoir. Les jeunes araignées peuvent sembler inoffensives, mais leur présence doit servir d'avertissement aux voyageurs ici. Car partout où l'on trouve des petits, rôdent également des matriarches. Et les arachnides allègent férocement leur progéniture. Une des fameuses traces de l'étoile tombée du ciel. Ok. C'était fort sympathique. Boum, boum, boum. Yeah. L'araignée. Boum. Il n'y a pas la forme, le perforas quand même. Cette voix, c'est mort de rire. Du coup, on est entré dans la caverne de Arania. On va chercher la chambre de la reine. Alors, par contre, je pense, voilà, là, vu le nombre d'araignées qu'il y a, il y a sûrement des oeufs un peu de partout. Et on va tout enfronter là. Hein. Voilà. Il y en a combien de trucs comme ça? Oh, ça a l'air grand par contre. Hein. Oh, ça a l'air grand. Ça a l'air grand. Voilà. Par contre, ça bouge les oeufs. Je veux pas dire, mais. C'est que ça bouge. Alors. J'essaie de rester concentré parce que ça fait longtemps que j'ai pas été ici. Et du coup, il peut y avoir des ennemis qui popent un peu de partout. Sachant qu'il y a des ennemis de partout de base, donc. Voilà. Aïe. Il y a sûrement un gros œuf. S'il y a des ennemis là, en général. Il y a un spawner à côté. Alors, il y a un chest qui contient des pièces d'or, d'accord. Ça qui contient que dalle. Ok, alors, il y a deux chemins. En bas ou en haut. On va d'abord aller en bas. Ouais, c'est un truc secondaire. Ouais, bon. Boum. Boum. C'était pas folichon ici comme zone. Hein. Je veux pas dire, mais là. Hop. Du coup, faut aller de l'autre côté. Ah, mais non, il y a même ce côté-là que j'ai pas été. À gauche. Ici, là. Il y a quoi là? Ok, il y a à droite et à gauche. Putain, à gauche, ça a l'air d'être la suite. Hein.
Bah, vu comme c'est, à gauche, c'est sûrement la suite. On va aller d'abord à droite. Enfin, à droite. Du coup, à gauche de la caverne, mais... Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Oh, l'araignée. Apparemment, ça fait pas très mal, donc je pense que pour le moment, je vais mettre ça. Avec... ça, parce que pour le... Et dès que j'ai obtenu le... Comment ça s'appelle? Vous créez des tourbillons secondaires qui infligent des dégâts aux ennemis qui les touchent. Non, en fait, ça c'est pourri, en fait. Il faut pas le mettre. C'est de la merde. On va plutôt mettre ça parce que... Voilà, quoi. J'appuie depuis 2 heures sur le bouton fermé. Il veut pas se fermer. Alors du coup, on va aller là. Je pense que là-bas c'est un cul-de-sac, voilà. Avec du coup un livre, ouais. Bah, putain, heureusement que je suis venu ici. Ok. Alors avant de continuer. Je me permets de voir si ça filme bien. Vous pouvez prendre des nouvelles de temps en temps. Ça va, ça rec depuis 33 minutes, il m'indique. Ça va. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Ah, les ghouls. Je dois trouver la fureur. Ouais, ça fait mal. Inflige des dégâts supplémentaires. On voit que ça fait mal. Oh, araignée bleue. Ok, donc vu qu'il y a un puissant ennemi, on peut user, il faut user nos sorts. Boum. Voilà. Ça va, ouais. Demain, de toute façon, dès qu'on voit que c'est demain, c'est déjà perdu d'avance. Franchement, je sens que ici c'est la suite. Donc, on va pas aller ici, on va plutôt aller là, sachant qu'il y a des choses un peu de partout. C'est vrai qu'il y a des choses vraiment un peu de partout. Ouh, on a tout défoncé. Ou 15 victimes. 16, 17, 18. Ça va? Oh con. On vient de tout niquer là. Boum, boum. Oh oui, pas mal de pièces d'or. C'est bien, ça donne pas mal ça. Par exemple, les pièces d'or, c'est ce qu'il nous faut donc. Donc, du coup, on va. Alors, il y a deux chemins du coup qui séparent. À gauche. Ou au milieu, enfin où on centre, donc on va aller voir. Ça a l'air aussi d'être la suite ici, hein. Ouais, regardez, on atteint sur un nouveau entre guillemets un nouveau palier. Mais en bas, ça mène aussi vers un nouveau palier, on dirait. Donc on va d'abord aller là. Est-ce qu'on peut aller en bas? Ouais, donc peut-être en bas ça. Peut-être en bas ça permettra de relier les parties. Boum. Ah, ça monte. Oh, un bassin de résurrection, machin chose. Ça peut être pas mal, ça. Non, c'est de la merde, ça.
Boum, boum. Pas assez de fureur. Voilà. Alors, il y a encore plusieurs endroits. On va d'abord aller là. Ok. Par contre, ça c'est bizarre, ça, non? Ah, à fond, on dirait qu'on peut pas y aller. Donc, on va dire qu'il y a rien. On va du coup aller en bas. Et on va peut-être tenter de rejoindre la partie du milieu, comme ça au moins. Parce que je pense qu'il y a des trucs aussi vers là. Hein. Je veux pas dire, mais ça sent le truc. Oh bon. Ça, honnêtement, pour ces jeunes araignées, il n'y a pas besoin de masse. Si on va activer les sorts. Boum, boum, boum. Voilà. Oh! Un truc légendaire, tiens. Ouf, ça fait mal ça. On s'équipe. Ah ouais, là il faut se l'équiper. Oh oui. Toi en fait, toi c'est juste bouclier. Ouais, c'est toi, c'est juste amulette, brassard. Et armes et bouclier plus la relique que pour le moment je n'ai pas toujours. Que je n'ai toujours pas d'ailleurs même. Ah, on peut pas relier encore au milieu. Ah, fait chier. Si on va pouvoir relier, c'est bon, on va pouvoir relier. Boum. Le nombre d'ennemis. Nombre d'araignées surtout. C'est affolant. Ouh, ça c'était pas mal là. Et 500 pièces. D'un coup là, ça fait du bien. Allez hop, venez. Boum, niveau 21. Ah bah voilà. Ah, compétence active débloquée. Charge furieuse. On va aller voir. Avec d'ailleurs une nouvelle rune. Alors, oh oui, il y a pas mal de choses qui sont débloquées. Alors, du coup, vous lancez une hache qui inflige des dégâts à la cible. Vous frappez un arc de cercle pour atteindre plusieurs ennemis. Ça a l'air bien. Avec du coup, des dégâts de lancer sont augmentés. Voilà. Du coup, ensuite, bon. Votre armure augmente brièvement d'atterrissage. Des ennemis proches de votre point de départ subissent des dégâts et sont ralentis lorsque vous sautez. De mini trans. Vous chargez tous les ennemis sur votre passage en leur infligeant des dégâts et en les repoussant. Je sais pas c'est quoi en fait qui est le mieux. Ça c'est bien ça, c'est mieux ça, je trouve. On va se laisser ça pour le moment. On va tester ce nouveau sort. Ah, attendez, je sais pas si ça continue en bas ou pas. D'accord, donc ça c'est un livre. Oh, c'est bien ça. J'ai mon manoir face à la frange traîtresse de Tristram. Les cavernes situées à l'est sont bien trop proches de mes terres. Ils doivent donc être condamnés, fermés à jamais. Je crois savoir que l'archevêque Lazare a dernièrement réussi à soumettre des arachnides par la magie. Cela pourrait nous être utile. Ok. Oh, vous avez eu un ennemi jeune. Allez, go. On va pouvoir utiliser notre nouveau sort. Ah ben voilà. Finalement, c'était pas si difficile que ça. Oh oui. Oh putain. Oh mon dieu. On commence tellement à devenir un peu... Tellement... On commence à devenir un peu cheat. Entre guillemets. Dégage. Dégage. Voilà. Alors ça continue en centre. «
Alors, ça continue au centre. Ça continue au centre et à droite. Donc on va aller d'abord ici. C'est grand comme zone, hein. Heureusement que vous avez vu que je m'autorise du coup une limite un petit peu plus élevée de vidéo, parce que vous imaginez sinon faire ça en 20 minutes. Même pas, parce que vu que je pense pas que je l'aurais commencé. Mais honnêtement, mais voilà, en tout cas faire ça en 20 minutes, c'est pas possible. Ça l'aide d'être la suite ici. Hein. Ouais, c'est la suite. Donc je vais pas y aller. Donc on va d'abord aller là. Je sais pas s'il y a plusieurs étages, mais... Non, sinon il y aurait marqué cathédrale de niveau 1. Enfin, un truc, en gros, caverne d'arena niveau 1. Bon, du coup, on va pouvoir affronter après notre prochain boss, entre guillemets. Du coup, c'est notre prochain boss. Enfin, c'est pas entre guillemets, c'est notre prochain boss. Ah, bah tenez, sac poussiéreux. À la garde royale. C'est avec regret que je dois reconnaître que notre roi n'est plus en mesure de faire la part de la raison. Il ordonne que les cavernes soient remplies des créations de l'archevêque et exclut toute discussion. Les légendaires anciens en personne pourraient avoir vécu dans ces couloirs, mais aujourd'hui, nous devons en profaner les ruines. Ok. Boum. Ça fait tellement mal. Putain, 5000 points de dégâts, quoi. Ça fait tellement mal. C'est exagéré. Oh. Un petit raté. Oh oui, bien. Bien, bien. Ouais, donc, non, c'est de la merde. C'est de la merde. Ok, là-bas, il y a un truc. Ah, d'accord, c'est là-bas. La suite est là-bas, on a vu la flèche. Donc du coup, il faut aller là. Du coup, il faut finir avec ici. Sachant qu'il y a un truc à gauche et un truc en bas, sûrement. Donc on va d'abord faire le truc en bas vu qu'on y est. Et on va faire le truc à gauche vu qu'on y est. Qu'est-ce qui... Oh, d'accord. Ok. Ils sont motivés, hein. Voilà. Du jamais vu. Le succès. C'est pas parfait, ça. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est, mais... Tuer tous les ennemis uniques listés ci-dessous. Tuer l'un des ennemis uniques. Ah, unique. Ah oui, quand même. Il y en a pas mal. Wow, il y en a pas mal. Ah oui, quand même, il faut être... il faut être... Ah oui, il faut y aller, quoi. Alors, du coup... Oh, putain. Regardez mes points de vie. Tac. Boum. 350, on va attaquer. Ça va être totalement du n'importe quoi. Bien. Bah, écoutez... Je suis en train de voir un peu le stuff, c'est bien, 21 000. Alors du coup, on va pouvoir partir en direction de la sortie de la chambre, enfin, la sortie de la caverne d'Aranea. D'Aranea, ouais, c'est ça. Ma maîtresse m'a accepté. Venez sentir cette tendre étreinte. D'accord. C'est un piège. Boah, piège, bien mieux. À part s'il y a un maître, un gars en jaune. Mais non, même pas. Ils auraient dû quand même, hein. Un peu. Ajouter un peu de difficulté. Point de sauvegarde. Ah. Et du coup, c'est la chambre de la reine d'Aranea. Bah du coup, on va y aller, hein.
Est-ce que c'est quoi? C'est grand? C'est directement à la zone de boss? Parler à la femme prisonnière de la toile, d'accord. De la toile d'araignée? Donc là, on va avoir un petit combat de groupe. Donc il faut se préparer. C'est parti! Putain, mais quel abruti! Ah! Ça pour toi, il y a rien d'araignée? Il faut encore attendre. Oula! Attends, mais vous êtes sérieux là, rien d'araignée là? Eh ben, ok, c'est bête. Ouah, c'est petit. Enfin, c'est petit. C'est adolescent, si vous voulez. C'est adolescente même. Allez, hop! Boum! On vient d'achever. Ça fait tellement mal ces attaques. Boum. Plus de fureur. C'est ce que Hitler m'avait dit. Je suis désolé de cette vanne totalement osée. Mais bon, écoutez, il faut un peu rigoler de temps en temps. Et ben voilà. Oh oui. Oh putain. Oh oui, c'est pas mal ça. Attends, je peux pas non plus tout faire, j'aime. Attends, d'abord, je m'occupe de lui. Inventaire. Et ça, c'est de la merde. Attends, avant que je dise c'est de la merde, ça, c'est 14 d'intelligence. Ça c'est 12 de force, ça c'est 20 dextérité. Donc non, en fait finalement c'est pas de la merde. Pas un niveau. Si, c'est de la merde en fait. Y'a que ça peut-être. Ça c'est bien ça. Y'a pas besoin d'intelligence lui. Merci de m'aider à combattre les ténèbres. La lutte contre le mal. Et ben voilà. Et on peut pas annoncer une relique, putain, sérieusement. Bon ben voilà. On l'a un peu boosté. Flaque de venin. Voilà. Bah oui, allez. On y va. La sortie est par là. Ah, point de sauvegarde, oui! D'accord, on doit trouver le bâton de Khazar, d'accord. Donc ça a l'air d'être une grande zone, du coup. Jadis, ces terres appartenaient à la couronne. Ça a l'air d'être une grande zone. Bon, bah écoutez. Déjà validé le petit truc. Ah, d'accord. Ah oui, quand même. Directement. Ouais, calme, quand même. Merci. Des curieux, dont certains chercheurs renommés, n'ont pas survécu pour l'analyser en détail. En fait, je vous conseille de ne pas pousser trop loin la curiosité. Et là-bas, c'est pour partir dans la grande zone, normalement. Ouais. Bon, là-bas, c'est pour la grande zone. Bon. Alors,
Je suis bientôt à 1 heure de vidéo. Il est 3 minutes, sachant que je dois commencer. Enfin, Patrick, il a besoin de moi à 1 heure du matin. Je fais cette zone et puis je pense que je m'arrêterai là. On va directement se téléporter en premier. Attendez. On est à côté. Voilà. Alors du coup. Artisan. Bien équipé. On va commencer. Alors du coup, ça. On peut pas ? Vendu par des marchands, d'accord. Ah d'accord. J'ai des succès qui se débloquent comme ça. Ça fait leur kiff. Bah du coup on va le vendre hein. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai un paquet d'affaires intéressantes pour... Par contre la gemme, on va la mettre là-dedans, on va profiter parce que les gemmes. Voilà. C'est mieux en plus si j'ai 3 inventaires. Voilà. Alors du coup. En détail. On peut aller former. On va former. Merci. On va du coup augmenter le niveau maximum des objets fabriqués de 25 à 30. C'est bien ça, non? De toute façon, il faut commencer à les monter au maximum les trucs. Hein, donc, j'ai dit que c'est bien, mais il faut y aller. Hein. Est-ce que c'est vraiment utile? Surtout pour avoir une arme. Peut-être. Attends, l'arme, non, je viens de l'avoir en fait. L'arme. Voilà, l'arme, elle est pas mal. Qu'est-ce que je dois changer en fait? C'est les poly. Non, les poly 1, non. 53, 132, 54. Ah, peut-être 27. Mais bon, ça a l'air pas mal, vu qu'il y a pas mal de caractéristiques. À part si peut-être on aura peut-être des légendaires. Bon, allez, on forme. Niveau 4, voilà. Alors du coup. Ah, mais non, j'ai pas de légendaire. Alors du coup. Pistolet, non. Une main, non. Pas ça. Ah ça, voilà. Niveau 30. Niveau 24. Niveau 17. Niveau 29. Niveau 18. Bon, parce que là, je vais pas savoir ce qu'il va me donner. Oh, c'est pas grave. Bon, au moins, on a un peu avancé ça. Ça, du coup, à nouveau une bonne gueule. Ouais, il faut commencer parce que sinon, si on l'avance jamais, les amis, on va pas s'en sortir. C'est ça le jeu aussi de base. Quand on aura tout up au maximum, ça sera mieux. Mais là, il faut up. Oh, what? 32, oui. 31, 33, oui. Ah non, c'est ce que j'attends. Équipé. 30, s'il y a plus de force, moins de. Mais. Moins de vitalité. Mais par contre, il y a plus de. Il y a la régénération de 38 points de vie par seconde. Et tuer tous les monstres avec toi à 19. En fait, c'est bien. Voilà. Pourquoi c'est un qui gagne à la vie? C'est bien. Allez, go! Go, go, go! En route. Patrick, il a besoin de moi à 1h du matin, les amis. Donc, je fais cette dernière zone et puis après. Et après voilà. Ok. Alors du coup, je sais que c'est une grande zone d'après mes souvenirs, donc voilà, on va explorer les cavernes, tout ce qui se trouve, enfin comme d'habitude quoi. Ça va être l'exploration. Eux, il faut vite les étourdir avant. Entre guillemets les boys. Je sais pas si on peut appeler ça un boycott, mais. Oh, bon. Oui. Gain. Oh, gain d'expérience. C'est pas magnifique ça. En plus de m'octroyer quelques pourcents de points d'expérience. J'ai ça. Boum. Ah. Nouvelle caverne. Tiens. Il y a la grotte de Klein. Machin chose. Niveau 1. Bon, c'est déjà bien. Je vais d'abord, avant toute chose, finir l'exploration de ce côté-là.
Par contre, non, je fais des bêtises. Il faudrait que je commence à être intelligent pour explorer. Parce que sinon, je vais m'y perdre. Ah non, ça va, la map. Non, ça va, finalement, la map va m'aider en fait. D'accord. Finalement, j'étais un peu trop ambitieux. Hein. J'étais un peu trop ambitieux. Voilà, niveau 22. C'est pas mal ça. Par contre, toi. Non, mais toi, c'est, je te remplace tout le temps par le. Parce que je crois que t'as. Non, je sais pas s'il a un bouclier de retard ou pas. Non, ça va. Il a pas un bouclier de retard. Alors, du coup, des nouveaux trucs. Ici, augmente le vote vitesse d'attaque. Augmente la fureur. Non, ça c'est. Non, ça c'est bidon. Ça c'est à chier. Et ça. Bon, dur de mal. Votre âge vous rend insensible à la plupart des dégâts. Alors, ça, il est hors de question. Décollage. Et ça, cri d'intimidation. Vous entrez dans une rage qui augmente vos dégâts et vos chances de coups critiques durant 120 secondes. Les dégâts qui s'infligent. Bah, c'est bien ça, du coup. Et en plus, ça va être pas mal aussi pour la bonus. Bah, oui. Je prends. Bah, oui, je prends même volontiers. C'est bien. Oh, une petite quête. Allez. Petit événement. Je pense à des ennemis. Hein. C'est logique. C'est logique. Allez, défonce-la. Yacht, les esprits obéissent maintenant. On va voir ce qu'il va voir. Ah bon? Ah bah dis donc. C'était oufissime. Oh mon dieu. Oh putain, par contre c'est grand. Oh c'est grand. Oh mais Patrick il avait besoin de moi une heure, sachant qu'il y a des cavernes et tout. Je lui dis quoi moi Patrick? En plus lui de son côté il est quelle heure? Attendez, je crois que faut que j'enlève 5. Donc il va être 19h, sachant qu'il doit aller manger. Bon, oh, c'est pas évident. Ouais, bon, faut que je me dépêche. Pas que je bâcle le truc, mais faut que je me dépêche quand même. Voilà, c'est ça l'émulateur. Hein, toujours du stress. Mais bon. J'aurais pas dû le commencer maintenant finalement. J'aurais dû m'écouter. Chose que je ne fais jamais. Parce que là du coup je suis dans le stress maintenant. C'est bien. C'est bien. En plus je reçois des messages par centaines de. Paranoïa. Non c'est pas ça. Oui je sais que c'est pas bien de chanter ça. Écoutez, on me permettrait. Par contre, ça c'est une gemme, le diamant que j'ai récupéré. Bah oui, c'est une gemme de base, mais. Je vais lui envoyer un message. Vous me permettrez. Peut-être j'arrive à faire mon code PIN sans. Mon schéma sans le truc. Gemme. Oh putain, tout me gonfle. Oh ta mère. Putain. J'arrive pas à accéder à mon truc. Il est où? Non, je discute pas par Messenger. Nous on est on discute plus par MMS ou par message parce qu'on n'a pas les moyens de si on a les moyens mais je veux dire on n'a pas les la base ça met un temps de fou à envoyer les messages alors qu'ici c'est plus simple et sachant que moi je ne paye pas. Alors du coup on va lui dire. Attendez, il faut que j'arrive à le retrouver. Il est là. Oui parce qu'en fait c'est tous mes collaborateurs. Alors. Voilà. Parce que chez lui, il est 19h13. C'est qu'il va. Donc, il sera 20h en fait.
Du coup, oui, je me suis perdu. Il faut que je me retrouve parce que là, du coup, j'ai un peu perdu le fil, hein. Vous m'excuserez. Voilà. Oh, il y a un truc là. Vu comme c'est. Pas assez de fureur. Basse. Boum. Voilà. Pourtant, non, difficile, hein. Mais bon, c'est bien. Oui, parce que c'est moins difficile, parce que voilà, il faut augmenter un peu le niveau de jeu. Et surtout que, pour mon expérience, surtout pour un jeu comme ça, je peux me permettre de mettre difficile. Alors, grotte de Clin de la Lune, niveau 1. C'est parti. Oh, putain, attention. Watch out. Comment dit-on à Tico l'écureuil de faire attention? Watch out. Oh putain, j'en peux plus les amis, je suis fatigué, hein, je suis fatigué, j'en peux plus, l'émulateur demande trop de travail les amis. Je suis arrivé à bout là, vous savez pas, mais je suis arrivé à bout, c'est... Sachant que je reviens des vacances, depuis 2 semaines. Mais quoi, j'enchaîne d'une nuit blanche. C'est pas très sympa. C'est pas très sympa, putain, j'ai eu peur de l'arbre. c'est pas très sympa. Mais soit ça ou soit l'émulateur avancera jamais, donc il n'y a pas le choix. Hein. Ouais, parce que c'est pas en faisant un truc par jour qu'on va y arriver. Donc, plus en ce moment, les gens sont chauds. Donc, quand ils sont chauds, pourquoi pas continuer? Je sais que ça va. Au cas où, il va y avoir une baisse à décembre, comme d'habitude. Hein, parce que tout le monde prépare Noël, tout le monde pousse en famille. C'est chose que totalement je comprends. Chez eux, il n'y a pas de souci. En plus, dans la Thanksgiving, nous la fête aussi à la maison. Si vous ne le savez pas. Mais voilà, eux ils l'ont, donc. Du coup, il faut préparer encore plus qu'un français classique. Quand je dis un français classique, hein, mais. Je parle de vous, hein. Vous avez que le 24 et le 25 à préparer. Nous, on a le. On a plus que ça, nous. Alors, il y a plusieurs endroits. On va aller à gauche. En gauche. Ça pue la suite. Ça pue la suite. On va aller en haut. Vous savez quoi? On va aller en haut. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. J'attelémente, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. Oh là là, des musiques à la con aussi. Oh, je vous jure. Le pire, c'est des musiques qu'on nous chante quand on est gamin. Mais c'est des musiques tellement niaille. Mais je vous avoue, mais tellement niaille. Putain, mais vraiment. Y a pas, c'est comme la pub de... C'est la marche du pingouin, du Kinder Pingouin, là. C'est un truc, ça, c'est une pub, mais de merde. Mais de merde. Mais je crois que même le mot merde est très, et plus, et trop faible pour définir ce type de pub. C'est une pub, une malaisante, deux, mais de merde. Ils te passent ça à 1h du matin. Normalement, ils sont censés te passer ça, allez, entre les 12 coups de midi, par exemple. Où les enfants, ils mangent devant la télé, et du coup, les intérêts, quoi. Et non, ils te passent ça à 1h du matin. Alors qu'à 1h du matin, ils auraient pu passer, par exemple, des voyages, des choses qui permettent, en tout cas, de... Parce que les enfants ne sont pas à 1h du matin devant la télé. Et surtout, ils sont couchés. Donc, c'est bête de passer une pub de merde à 1h du matin. C'est bête, c'est pas logique. Enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est pas logique. Si moi je serais quelqu'un de qui ferait les pubs, je passerais les pubs pour gamins l'autre matin très tôt, là à midi. Confiance écologique augmente. À midi. Et la vitesse de la personne. Ok. Et je placerai
le soir avant d'aller se coucher, par exemple à 20h45, entre par exemple le Canteloup et le film, par exemple, enfin la série. Mais tout le reste, ça serait rapport avec l'âge et enfin en gros l'émission d'abord, l'âge et voilà ce qui va avec. À minuit, tu passes plus des trucs de voyage. Ou une la future voiture, là. Pour moi, c'est logique. Enfin, je sais pas, peut-être parce que je chipote trop. Chose qui est possible, hein. Je mets pas ça en cause, hein. Je chipote beaucoup de base, mais. Après, pour moi, tout ça semble logique. C'est pour moi, c'est ça, être professionnel. Professionnel, tu passes pas n'importe quelle pub. C'est comme si, par exemple, de demain je décide de couper mes vidéos. Moi j'aime pas trop le changement, je vous le dis, je resterai comme je suis. Je peux avoir 1 million d'abonnés, 1 milliard, je dirai les choses comme je le sens, j'aurai toujours la même humeur, je serai pas prétentieux, je serai pas je serai normal tout simplement. Je peux avoir 1 million d'abonnés, 1 milliard, je pourrais même dépasser PewDiePie, etc. Mais moi j'en ai rien à foutre, je suis comme je suis. Et si ça plaît pas, ben, les gens se désabonnent. Écoutez, moi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je vais pas me censurer pour des personnes. J'ai d'autres choses à penser dans ma vie que de me faire censurer. Que de me faire censurer, quoi. Moi, j'ai toujours dit tout haut ce que plein de personnes pensent tout bas. Hein. C'est pas pour rien que je critique Sifano. C'est pas pour rien que je critique certains youtubeurs que je n'aime pas. Je prends pas de risque immense, mais je prends quand même quelques petits risques, quoi. Donc bon, oh oui, ça c'est bien ça, nouvelle épaulière. Et voilà, moi après Macron c'est un con, François Hollande nous a mis dans les glands. je suis désolé, mais voilà, je vous dis les choses comme je le pense moi. Et j'ai toujours été comme ça. Ça changera jamais d'ailleurs. Pour moi, j'ai pas changé pour des chiffres. Je change pas pour des chiffres. C'est con de changer pour des chiffres, quoi. Pour moi, un 0 abonné comme 10 millions d'abonnés, ça représente la même chose. La même. C'est juste quelques zéros en plus, quoi. Et wow, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire de quelques zéros en plus? Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire, quoi? Genre, comme si on n'avait pas que ça à foutre dans la vie, tu sais. Il y a plus de force, donc je m'équipe quand même. Ensuite, ça, c'est de la merde. Ça, c'est une main. Donc, du coup, ça veut dire, bien sûr. Donc, du coup, ça veut dire que toi, tu vas prendre cette arme-là que tu vas équiper. Bonne idée. Bah oui, c'est une bonne idée, merci. J'ai toujours des buffs. Ça va. Par contre, là, je voulais être prétentieux. Mais de base, oui, après, je m'avoue prétentieux parce que... je m'avoue pas prétentieux parce que je reconnais aussi mes défauts. Donc, quand je me... Entre guillemets, je m'auto-suce, entre guillemets. Je m'auto-suce pas, en fait. C'est que je sais reconnaître mes... Ouais, bon, c'est de la force. La force, il faut, donc... Je sais reconnaître mes défauts, donc... quelqu'un qu'on appelle de prétentieux ou de narcissique, c'est quelqu'un qui reconnaît... Qui se dit parfait dans tous les points et qui ne reconnaît aucun défaut. Moi, je reconnais mes défauts. Et qui les assume aussi. Moi, j'assume mes défauts. Hein. J'en assume totalement d'ailleurs. Des hommes bouques. Tout ce dur labeur pour un troupeau d'hommes. Il est où les livres qu'on obtient là? Ça, c'est des conversations. Je sais plus où ils sont les livres. Défi. Coop, campagne.
Pas d'aventure. Général. Putain, je sais plus où ils sont les livres. C'est ouf. Pénétrer, tuer. Merde. Ils sont où les livres? Normalement, il est censé avoir des livres. T'es dans défi? C'est peut-être dans défi. Il me semble que le fond était orange. Donc bon. Non, même pas. What the fuck? Oh, il y a Mystique aussi, c'est bien. Ah oui, il y a Joaillerie, voilà, Joaillerie. Exploration. Ma foi. Je sais pas. Je sais pas où ils sont les livres. Peut-être qu'ils l'ont enlevé, chose qui est possible. Hein. Parce que du coup, ça à part avoir d'apprendre sur l'aventure et tout, ça servira à quoi? T'es pas sérieux là? Ils ont enlevé le livre? C'est con? Parce que j'ai mal vu, hein, chose qui est possible. Je mets pas ça en doute, hein. Je suis aveugle, donc j'abuse, mais je vois pas en face des trous, donc accomplir les hauts faits. Ah, campagne peut-être, acte 1. Ah, peut-être j'ai trouvé campagne, c'est en campagne. Explorer, là, livre, les livres. De l'acte 1, Léa, Léoric, Léori, Léa. Ok, livre de... Bon, je pense que j'en ai loupé, hein. Je vous le dis. Ou pas, je sais pas. On le refera là, quand on aura fini tout le jeu. De toute façon, on n'aura pas le choix pour faire le mode aventure. Heureusement remis à ma place. Oh, ça fait mal aux yeux d'un coup là. On n'a pas l'habitude de. On passe de l'ombre à la lumière. C'est pas très évident. Ah. Oh, vas-y. Attirer tout le monde. Ok. Boum. Allez. Bim. Ah bah putain, il en fallait du temps pour tout niquer. Oh, on peut voir où est le chariot d'ailleurs. Oh putain, c'est pas mal ça. En plus, ça il fait gagner beaucoup de trucs. Ça, c'est bien ça. Allez hop, on va lui l'équiper. Merde. Voilà. J'en ferai bon usage. Bah, j'espère. Quand même. Je vais pas passer ma vie derrière toi, hein. Faut être autonome dans la vie. Autonomie, que tu me tiens. J'espère que c'est pas encore assez long parce que je dois rejoindre Patrick parce qu'il m'a pas encore répondu, Patrick. Donc je pense qu'il est en train de bouffer. Enfin, non, en fait, il est déjà en train de bouffer, mais il a son truc là. Oh putain, je sais plus comment. C'est un truc en fait, c'est genre de rendez-vous professionnel, mais sur place. En fait, c'est le patron qui vient chez lui. Pour parler d'une marque. Voilà. Oui, ça se fait comme ça aux États-Unis. Et ça se fait pas qu'aux États-Unis, ça se fait en France aussi. Mais bon, vous avez pas l'habitude. Je pense pas que vous avez l'habitude de voir un truc comme ça. Pour vous expliquer, il y a par exemple, quand vous travaillez dans une entreprise, vous pouvez par exemple demander à votre patron quand vous faites de la marque, quand il vous ramène sur pour obtenir quelque chose, de par exemple une marque pour le publier, que ce soit chez lui ou pas, vous pouvez carrément demander un rendez-vous chez vous, carrément inviter un dîner la personne pour parler professionnellement. Donc vous pouvez, c'est légal au cas où, hein. c'est légal, il n'y a pas de sous-entendu. C'est pour de la négociation, c'est pour montrer si... c'est pour montrer, hein, tout simplement. C'est normal. Voilà,
Il n'y a rien de bizarre là-dedans. Voilà. Ne dites pas qu'il y a des choses de bizarre. Il n'y a rien de bizarre. Ça se fait. Et ça se fait même de plus en plus. Mais c'est surtout pour les marques. Hein, si, parce que vous pouvez pas le faire si vous vous demandez une augmentation, par exemple, une connerie de ce genre. Oh putain, c'est bien ça. Allez, viens. Putain. Il est où? Je dois pas le louper. Allez. Oui, je l'ai eu. Boum. Putain, tout ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu tellement de choses. Alors par contre, je vais pas tarder à refermer la boucle parce que regardez où on arrive. On arrive bientôt à notre objectif. Je peux pas vous dire la marque au cas où, hein, les amis, par contre. Pour le moment, c'est censé être secret, donc je peux pas vous dire la marque. Par contre, je vous la dirai une fois que, si c'est accepté et s'il veut que j'en parle, je vous le dirai. Je vous en dirai plus en détail. Oh putain, c'est pas mal ça. C'est une main en plus. Putain, bah vas-y, je m'équipe. C'est quoi ces armes qu'on obtient très cheatées là d'un coup? Non mais sérieusement, on obtient des trucs assez bien là, non? Ouais, ça me nique la robustesse, mais bon. Exactement ce qu'il me fallait. Oh, what? Ouais, mais lui, c'est mieux, parce que lui, il a un bouclier bad. Moi, j'ai 196, mais... j'ai 132, mais bon, ça fait pas non plus masse de dégâts. On lui donner à lui, hein, c'est plus intelligent. Et peut-être que tu veux, attends. Voilà. Tu vois? Non. Bah alors pourquoi tu me dis que le changement si équipé plus 19, tu te fous de ma gueule? Non, je crois que c'est juste... Attendez, il faut comparer. 20, 3 plus 6, 41, D1. Oui, donc en fait, c'est ça en fait. Oui, parce que ça, c'est plus 20 dextérité. Là, il y a de la force. En plus, il y a niveau 18 et là, c'est niveau 11. Donc oui, finalement, c'est bien. Mais il faut tous méfier ça. Hein. Il faut faire très attention parce que 35, 36, 31, 30, 31, 40. 41, ouais. Parce qu'il y a plus de vitalité, donc je préfère garder. Et ça, je préfère laisser comme ça. Ok, good. Alors du coup, alors on se rapproche de plus en plus de l'objectif, donc on va fermer la boucle. Veille sur mon destin. 24, c'est bien. C'est bien, au moins j'aurais passé 4 niveaux aujourd'hui. C'est super. Alors par contre, encore des trucs à nouveau. Oh putain, il y a une suite. Ah non, ça me permet d'accéder à l'autre. Ah, ça c'est bien ça. Alors vous lancez, alors c'est quoi? Vous créez des tourbillons secondaires qui infligent des dégâts aux ennemis qui les touchent. Bah non, mais non. C'est de la merde. C'est de la merde, donc voilà. Le tremblement de terre. Oui, ça, je m'équipe totalement d'ailleurs. Et quoi? Une nouvelle compétence passive. Chaque point de fureur dépensé vous soigne. Oh non, vous soigne. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter avec vous soigne. C'est des dégâts que nous voulons, pas du soin. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du soin, sérieusement? Qu'est-ce qu'on en a à foutre du soin, les amis? Mais vraiment. Oh. C'est ouf. Ah, oh, pas assez de fureur. Merci. Ce qui me permet de déclencher un peu plus vite les attaques. Mais bon, c'est pas grave. Alors du coup... Ok, alors il y a un truc en haut aussi. Putain, il y a des trucs de partout dans ce jeu, c'est un truc de ouf. Il y a des trucs de partout dans ce jeu. Bon, au moins on sait où aller. Donc il suffit de remplir ça et d'aller en haut là. On explore, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ici par exemple? Oh! Le tour de guet, niveau 1. Oh, c'est une zone. Ok, bah du coup, c'est parti.
putain, c'est bien. À une heure, je suis censé être avec Patrick, sérieusement. Je suis censé être avec Patrick, hein. Je vous jure. Il va me gueuler dessus, Patrick. Si j'y mens. Parce que du coup, après, ça casse la réputation de la confiance. Ouais, là, tu peux toujours avoir confiance, mais... Il sait que je suis en film, je suis en train de filmer parce que j'ai envoyé un message, mais... Bon. C'est pas au niveau de sa marque qu'il veut parler. C'est professionnel, voilà. Donc, bon, professionnel... comment dire... Ça va attendre un peu professionnellement. Dans 20K. Putain, 20 000 quoi, 20 000. Ça fait tellement mal. Bon, la tour de guerre ressemble vraiment à la cathédrale, hein, mais bon... ça fait longtemps, cette ambiance cathédrale, quand même. Non? Vous trouvez pas? Ça faisait un petit moment. Au contraire, moi, j'aime bien. On cassera là plus tard. Ah! Il est là, la cathédrale. D'accord, niveau 2. Bah, c'est par ici qu'il faut aller. Et bah, voilà. Par contre, je pense que je vais pas tarder à aller déposer du stuff, hein, parce que... Voilà, je vais faire maintenant, parce que sinon, ça me... Enfin, il faut que je dépose les gemmes, et il faut que je recycle tous les trucs. En faisant très attention de pas recycler des choses qui peuvent m'être utiles, donc il faut que je regarde en même temps. C'est la merde. Ça va me donner en même temps la gemme. Oui, pour ça, ça fait une arme oubliée. Et du coup, j'ai la gemme. C'est la merde. Ah. Recyclage pas possible. Du coup, quand le recyclage est pas possible, bah, il faut aller vendre. Et du coup, on va pouvoir déposer les gemmes dans le coffre. C'est bien pratique d'avoir un coffre. Dire qu'à l'époque on n'avait pas de coffre. Du coup en fait tout ce qu'on déposait, bah, on était obligé de les garder sur soi en fait. Il fallait totalement gérer l'inventaire. Bon maintenant plus du tout, mais voilà. C'est un peu plus propre comme ça, non? Attendez, dans l'ordre. Le diamant, l'améthyste, le topaz. Topaz il vient. Non. Le rubis, il est moins rare que le topaz, mais l'émeraude est moins rare que le... Non, l'émeraude est plus rare que le diamant. Donc, le diamant là, ça là, ça là, ça là, et ça là. Voilà, c'est mieux. Oui, parce qu'il faut trier, hein, au bout d'un moment, faut faire au niveau des... enfin, au niveau de la rareté. Et du coup, nous avons une arme oubliée. Matériau brut légendaire obtenu en s'adressant au forgeron pour recycler des armes légendaires. Par contre, oui, c'est bien gentil, mais... Du coup, voilà, on peut se le permettre, on se le permet. Ni bim, cœur de fer, niveau 5. Yes. Et du coup, oh putain, on peut pas faire encore des trucs légendaires, sérieusement. Oh, chier. Bah, enfin, voilà. Et du coup, on est niveau 5 du truc, c'est ça? Il y a niveau 10 et niveau 12. Donc, le niveau 12, ça a l'air d'être le niveau maximum. D'accord, bah, au moins, on peut voir. Non, je fais des âneries, on va pas faire ça. On va directement aller là-dedans. C'est parti pour à nouveau la tour de guet. Alors, on s'est un peu vidé. Voilà. On peut aller en bas, on peut aller de partout. On va d'abord aller tout droit. Je sais pas si c'est grand comme zone, mais putain, ça a l'air d'être long. Il faut encore attendre. Comment traite-t-on les criminels dans votre pays? Il ne reste pas. Bah, dans la peine de mort. C'est triste à entendre. Bon. Ok, de la merde. Et ça, peut-être de la merde. Attendez, je regarde. C'est de la merde. Ah non, mais attendez, c'est une amulette. Qu'est-ce que je dis? Pourquoi je dis que c'est de la merde?
coup. Plus 20 de vitalité. Non, finalement, on peut garder. Aventurier mort, il n'y a rien du tout. Et du coup, on va pouvoir descendre un petit peu. Ouais, parce que on explore tout quand même. Il peut y avoir des monstres uniques, du stuff et tout intéressant. Même si pour le moment, à part détruire des objets et fouiller des corps morts, c'est tout ce que je vois. Hein. Parce qu'il n'y a pas réellement trop. Il n'y a vraiment pas trop d'ennemis ici. Hein. C'est vrai que là, au niveau des ennemis, c'est un peu mort quoi. C'est un peu mort les ennemis, le nombre d'ennemis qu'il y a. C'est. Ma foi, je sais pas. On va aller là. Ah, c'est mort en fait. C'est totalement mort ici. Sérieusement, c'est quoi ce truc? Ah, quand même, des ennemis un peu plus puissants aussi. Allez, hop. Bon, ça laisse à désirer des ennemis un peu plus puissants. Je pense que, honnêtement, le défi, par exemple, Diablo Diablo sans armes, sans armure, ça pourrait tellement bien se faire. Ça pourrait, je pense qu'honnêtement, il est réalisable. Mais même, il est large réalisable. Je pense que le jeu, il peut être prévu sans armes, sans en étant nu en fait. Mais je pense quoi, ouais, je pense qu'il est prévu. Il faut juste pas se recevoir des coups fatals, donc il faut vraiment grave anticiper. Mais honnêtement, voilà quoi. Ok. Ok, y a rien. Putain, c'est comme c'est vide. C'est abusé comme c'est vide. Oh les gens, c'est vide. Y a que dalle quoi. Oh, putain, d'accord. Bah du coup, on va descendre. Hein. Y a plus rien. Hein. On a tout fait. Bon, ça, du coup, ça a l'air petit comme ça, entre guillemets. Ça a l'air petit. Enfin, c'est grand, mais c'est petit en même temps. On croit que c'est grand, mais alors que c'est pas aussi grand que ça. Oh putain, le bouclier de ouf. Oh putain, dommage, c'est pour les croisés, putain, 251, j'aurais bien aimé. Ouais, mais bon, ça m'aurait enlevé de la force, hein, donc. Ça, de la... Ouais, ça m'aurait enlevé tout ce qui est bien, en fait. Tous les trucs magiques, donc. À part si je l'enchante, ça aurait été bien. Ouais, peut-être un enchantement. Ça aurait bien été, mais sinon... Sinon, non, en fait, parce que... C'est pour perdre de la vie et des attaques et tout. C'est pas la peine. Je préfère largement me focaliser sur la robustesse, sur la vie et la force que sur de la résistance. La résistance, c'est quand sur un personnage qui, comme style magie, comme par exemple le genre de démoniste là qui a de sorcier, je crois. Lui, il a beaucoup plus besoin de résistance vu que quand lui il prendra beaucoup plus de dégâts et il fera moins mal. Et du coup, il fait moins mal et il a beaucoup de dégâts. Donc l'intelligence même doit jouer. Mais voilà, c'est pour ça que... Mais nous, pour le moment, il faut se concentrer sur... Oh oui. Boum. Et ben voilà. On vient de le niquer. Je pense qu'il a dû rien comprendre à sa vie. Oh putain, tout ce que j'ai obtenu. Oh, ah ouais. 42. Lequel? Et ça? Oh putain! On le remplace par ça. Voilà. Ensuite, ça. Tuer tous les monstres que toi. Alors ça, non. Parce que lui, il a que des trucs rapport avec la force. Donc, on va pas le faire. En plus, avec même de la vitalité. L'amulette. L'amulette. Ça, non. On va pas se l'équiper. Ça, non. Et le reste, c'est un peu du moisi. Ok. En tout cas, c'était bien. Il nous a donné pas mal. Bon, là, c'est toute une autre atmosphère, mais bon, c'est pas grave. Ok. Oh. Boum. Oui, quand là, pour le moment, le truc vient pas. Oh oui, par contre, enfin, un monstre un peu plus intéressant. Bordel. Oh, une amulette. Bien. Une amulette en plus légendaire. Donc, je pense qu'elle est un peu... Elle est pas mal, celle-là.
Vous avez vu pourquoi il faut explorer? Parce qu'on peut obtenir tellement de stuff pour se mettre tellement bien. C'est peut-être chiant, je peux vous la... Peut-être. Moi, au contraire, ça me plaît. Moi, j'adore l'exploration dans un jeu. C'est ce qui, d'ailleurs, me fait jouer au jeu. C'est l'exploration. Mais sans ça, on serait bad, quoi. Oh, putain, il y a un coffre. Oh, il y a le coffre. Laisse tomber. Bon, ok. Là, pas le choix. Boum. Voilà, il faut tout niquer. Faut tout niquer. Voilà. On a tout niqué. On a tout niqué. Alors il y a le méga coffre, donc on va l'ouvrir. Après on va voir les items que nous avons pu, enfin que nous avons récupéré. Oh putain, oh là là, c'est abusé. Alors du coup on va voir tous les items que nous avons récupérés. Alors on va commencer par ça. Pourri. Ouais mais moins de dégâts, moi il faut pas moins de dégâts. Donc je peux pas me permettre de l'équiper. Par contre la relique et ça c'est bien pour le templier. Alors, je crois qu'il y a différents types de reliques. Alors, celle-là, celle me donne force. Oh putain, mais c'est parfait. C'est pile ce qu'il faut. Une équipe bien équipée, c'est pile ce qu'il faut. En plus, j'ai du coup ça, c'est pas mal. Ensuite, il y a une autre amulette. On va voir du coup l'amulette légendaire. Est-ce qu'elle est pas mal? Oh là là! Oh putain! Ah oui, non, mais les gens. Ah oui, mais tellement. Et encore, lui, c'est 20 vitalité. Lui, c'est 20 vitalité. 39, ça va. Il a pas perdu masse de trucs. Donc, du coup... Oh, putain, c'est vraiment cheaté. Il faudrait mettre les gemmes à un endroit pour trier un peu. Même si on va pas tarder encore à faire le détour. Hein, mais bon. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Allez, go. Go, je pense qu'on va pouvoir quitter cette zone. C'est pas très loin la sortie. Bah, c'est un niveau 3. Hein. C'est un niveau 3, je suis preneur. Mais bon, même si ça me dérange un peu, parce qu'il y a Patrick qui va le rejoindre dans 15 minutes. Donc, honnêtement, je suis en train de stresser. Et encore, je dois rejoindre. Bon, heureusement que j'ai prévu les papiers à côté, hein, je vous le dis. Parce que si j'aurais pas prévu les papiers. Je pense que je serais vraiment été dans la merde. Bien, pas mal de pièces d'or et tout ça, c'est parfait. En plus, maintenant, on en a beaucoup. 308, là, ça donne bien envie. Oh yes, ben voilà, on va pouvoir quitter ici. Attendez, on a tout exploré au moins. Oui, parfait. On va pouvoir du coup s'en aller et partir sur une autre contrée, enfin une nouvelle contrée. Oh, 5000 points de vie, c'est abusé. Et du coup, il faut aller ici, mais avant d'aller ici, il faut explorer là, bien sûr, dans le milieu. Et on n'est pas à l'abri d'une nouvelle caverne qui va encore durer et pas mal de temps. Et sachant que je dois rejoindre Patrick dans 14 minutes, ça va être très 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 juste, mais bon, j'assume. Putain, si je suis dans les temps, je suis vraiment château. S'il n'y a pas de caverne, je suis dans les temps. S'il y a une caverne, je suis pas dans les temps. Oh putain, il y a une plateforme, mais ça pue la caverne là. Oh là là, ça pue la caverne. Ça pue la caverne, les amis, c'est pas possible. On va d'abord explorer. Avant d'explorer ici, on va d'abord explorer le reste. Ça, c'est la caverne qu'on a déjà fait. Oh. Eh bah ouais. Fallait pas venir me chercher, hein. Eh bah. Boum. Oh, c'est tellement bien Diablo, c'est... Je vous jure. Ce jeu est je trouve, détente. Tiens, il y a de l'action, mais regardez, des phases comme ça où tu te détends, tu t'explores un peu de partout. Quoi, parfait, quoi.
Bien, alors là, ça pue la caverne, hein, il faut pas se mentir. Donc, bon, heureusement que c'est la dernière, parce qu'après on va pouvoir du coup s'arrêter. Calme-toi, hein. Calme tes nerfs. Par contre, ça c'est bizarre ça. Hein. Pas un truc autour? Y a rien qui se réveille. Non, y a rien qui se réveille. Bah, du coup, y a pas le choix, faut faire la caverne. Je pense que c'est une caverne, hein, donc, vu comme c'est. Ah non, c'est carrément. Oh, un événement. Examiner le coffre. Alors, on va se préparer. On se prépare, c'est parti. Vague anéantie. Cinq. Trois. Il faut encore attendre. Quatre. Ça va être chaud. Je refuse de faire ça. Et je l'ai eu. Parfait. Et du coup, j'ai même eu le droit à deux coffres à la place d'un. Oh oui, pas mal de choses, mais bon, je sais même pas si ça va être bien en fait, finalement. Ah non, en fait, c'est de la merde. Oh putain, la malchance. La malchance, bon, je l'ai fait quand même, mais ça me fait un événement et des points d'expérience et de l'argent, mais bon. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je crois que nous avons tout explorer sauf là, d'accord. Bah, du coup, j'ai même pas exploré là. Et puis après, bah, je vais voir ce qu'il y a en haut. J'aimerais bien, au moins, retourner à la nouvelle Tristram. En gros, avoir fini la quête pour au moins retourner à la nouvelle Tristram. Comme ça, au moins, on peut se poser pour la prochaine fois. Bah, du coup, on va aller là-bas. S'il y a un relais, c'est parfait. S'il y a un relais, je le prends. S'il n'y a pas de relais, bah c'est la merde. Boum. Point de sauvegarde atteint, oui, mais... Bon, il n'y a pas de relais, donc moi, je m'arrête pas tant qu'il n'y a pas de relais. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut continuer. Alors, du coup, ces putains de guerriers, là... Ouah, ils font pas peur. Putain, on les défonce, mais d'une violence que personne ne peut l'imaginer, je crois. Animal mort. C'est un piège. Il était pas tellement énorme, mais bon. Ok. Ok, donc là, il va y avoir du fight. Pas grave, on réunit tout. Allez, 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 voilà. Les anciens sont avec moi. C'est bon. Là. Voilà. Je me fais pas avoir comme ça, moi, quand même. Oh, ça va là les trucs qui me tombent dans la gueule. Alors du coup, oui, ok. Oh putain, c'est une nouvelle zone. Non, c'est une vanne. Oh, c'est grand. Oh non, 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 c'est une nouvelle zone les amis. Y a pas de relais. Oh putain. Oh ouais d'accord en fait, donc le truc pour Patrick c'est la mort. Putain, je suis dégoûté. Le pire, y'a même pas de relais. Le pire c'est qu'il y'a même pas de relais les gens. Putain, je vous jure. Y'a pas de relais.
Bon, ben... je sais pas comment faire. Je vais lui envoyer un message. Je vais lui dire est-ce que c'est grave ou pas. Il m'avait dit non, mais... est-ce que je vais dire est-ce qu'on peut pas le reporter après qu'il soit rentré ce soir. Voilà. J'ai envoyé un message, s'il pouvait pas. Est-ce que ça peut être reporté ou pas? S'il me dit non, ben j'arrête maintenant. S'il me dit oui, je continue. Ah bah c'est professionnel, je peux pas. Oh les dégâts que ça fait. Ah non, demain, c'est pas la peine. Ça je peux pas me pas vendre, je peux pas me pas recycler. Oui. Ouais pas mal. Ouais mais non. Ça fait beaucoup moins de dégâts donc je préfère pas. J'aurais pu. Ouais, non, finalement, non, finalement. On va pas tenter. Oula, le petit rollback. Eh ben, dis donc, c'était pas très, très gentil, ça. Ah oui, d'ailleurs, j'ai du neuf. On va voir si t'as du neuf. Ouais, beaucoup moins de robustesse après, hein, mais en plus c'est du bleu, c'est pas très commode. Ouais, bon, t'aurais pu un moins minimum. On va voir l'autre. J'ai quelques nouveautés, je suis sûr que vous ça sert à rien tes nouveautés. Oh! Ah finalement si ça sert des nouveautés. Bon moins de robustesse mais ça par contre ça fait beaucoup plus, c'est beaucoup mieux que l'autre. En plus c'est une hache. Ouais mais ça fait, c'est de l'intelligence, ça me fait chier. Le problème c'est l'intelligence qui est dedans, c'est ce qui me fait chier. Ah trop de dilemmes. En plus c'est 7. Oh j'ai même pas vu le prix, c'est 7000. Non, ça va, ça va. 7000. Ils ont fou quoi. Bon bah y a pas le choix. Alors je vais voir. Hein. Y a pas le choix qu'on continue, mais je vais aller voir. Hein. Enfin pas le choix non, parce que si, Patrick me dit non. Bon, la maman m'a pas répondu. Il vient de me répondre. Oui, parfait. Je peux être, du coup, ça peut être reporté. Bon, au moins c'est rassurant. Problème, c'est là-bas, il est tard et ici, enfin il est tôt et ici il est tard. C'est du coup, moi je suis disponible que quand il est super tard et. Du coup, rarement quand je suis disponible, j'essaie de faire un truc, mais pendant ce temps-là, parce que. Oh là là, c'est ça un peu le défaut de ce truc, c'est trop de stress. Ça, je vous. Vraiment, c'est la position. Ma position où je suis actuellement, je vous déconseille d'y être. Parce que c'est du stress, mais. C'est du stress post-apocalyptique. C'est. Oh 200, what the fuck? Ouais mais non les dégâts t'es bien gentil mais non va te faire enculer hein. T'as vu les dégâts hein. Ça me fait perdre, ils sont malades ou quoi. Faut être timbré hein. Sous les Oryx, ces terres avaient déjà été la proie des ténèbres. Il faut les reconquérir avant qu'elles n'y succombent à nouveau. Ok, alors ça si ça pue pas la zone. La zone à la con du niveau 1. Bon, ça a l'air vraiment très grand. Hein. C'est là, mon dieu. Regardez comme c'est grand.
Haha. Bim. Oh fuck. Allez, merci. Niveau 26. Encore, voilà, encore des nouvelles trucs. Oh putain, il y a des nouveaux trucs de partout que j'ai pas vu. Lance-armes, vous frappez plusieurs ennemis d'un coup. Les dégâts de lancer sont augmentés. Non, je préfère largement que les dégâts soient augmentés. Les dégâts augmentent vraiment prévoir. Non, je préfère largement ça. Oh, attendez. Lance des anciens. Vous projetez une lance qui transperce vos ennemis. Les ennemis. Oh. Donc, si j'arrive à voir ça plus des dégâts supplémentaires, les dégâts et de lance des anciens augmentent. Donc, en fait, il faut être niveau 42 au moins pour que je l'active pour celui-là. Donc, en fait, ça c'est bien une fois qu'on est au bon niveau en fait. Donc, pas maintenant. Tant que le dur. Oh non, les vitesses de déplacement. Non, c'est bon, c'est de la merde. Non, c'est de la merde aussi, et ben dis donc. Ok, ça lui, je lui en plus une ruine supplémentaire. Vous évoquez trois héros astrologiques qui se battent à vos côtés pendant 20 secondes. Ouais, mais non. Parce qu'il y a une. Les anciens infligent davantage de dégâts. Bon, ça c'est bien au niveau 31, mais pas pour le moment. Clairement pas pour le moment. En plus, si tous les ennemis touchent sont gelés, non, c'est bon. Ok. Ok. Trop de dilemmes, hein. Oh oui, le relais. Donc je vais même pouvoir m'arrêter là du coup. Non, vu que j'ai exploré, ça va être chiant. Donc faut que je m'arrête à la nouvelle Tristram, j'ai pas le choix. Au moins m'arrêter au manoir de Liorik quoi. Au moins. Oh, ça c'est bien ça. Allez. Ah bah voilà. C'était un adversaire digne de nous. Alors. Ok, de la merde. Putain, c'est abusé. Ah, ça c'est bien. Il nous reste de la merde. Point de sauvegarde, oui, mais toujours ça me fait pas de relais. Donc, mais à part si j'utilise ça. Ouais, mais est-ce que le téléporteur il va pas me. Non, je préfère pas. C'est une nouvelle Tristram, je préfère largement parce que. Sachant qu'après c'est grand. Enfin ça a l'air grand. Au manoir de Liorik, je préfère m'arrêter au manoir de Liorik quoi. Ou 52 data. Finalement, c'est pas aussi grand que ce que je le pensais en fait. Je pensais que c'était au moins bien plus grand que ça quoi. Oh! Il y a un truc à faire ici, non?
prêt. Demain, jambes. Ouais, beaucoup moins de robustesse par contre. Hein. C'est un peu. C'est un peu lourd là, non? 43, à part si j'augmente par ça. Mais bon, je vais pas l'augmenter par ça maintenant. Le diamant, ça augmente quoi? Ça peut se réduire le temps? Non, ça augmente la résistance. Donc c'est pourri pour le moment. C'est pourri pour le moment. Il vaut mieux laisser ça là en fait. Les gains d'expérience augmentent. Boum. On a fait un beau petit massacre. Bon, il y a beaucoup d'ennemis ici quand même. Hein. Là, ils sont rattrapés sur les ennemis. Hein. Bon, je pense que là, en haut, c'est la suite. Ouais, en haut, ça semble à la suite. C'est logique. Ou pas. En haut, c'est pas la suite. Parce que ça, après, ça redescend vers là. Ah, si, en haut, c'est la suite. Ah non, c'est là la suite. D'accord. Boum. You die. Voilà. Bon ben, à part en haut et puis c'est bon sinon en fait ici. Ah, par contre la robustesse ça fait mal quoi au bout d'un moment. Faut arrêter là hein, parce que ouais mais y a pas le choix. Hein. Les dégâts ça augmente les dégâts et là, même la récupération même si c'est pas la récupération il y a mieux mais bon. Voilà. Je ne comprends pas comment les suppôts du mal peuvent sévir en plein jour. Ne devrait-il pas craindre la lumière? Bien. Bah écoutez. On va aller dessous et je pense que ça sera bon. Oh, du coup, je pense que le manoir de Liorik est là. Et c'est une zone à part entière, c'est ça? Pénétrer dans le manoir de Liorik. Ok, il y a pas mal de choses ici.
C'est vrai que ça a l'air complet par contre. Hein. Oh, ils auraient bien pu mettre un petit relais ici quand même. Bon ben on va aller dans le manoir de Lyoric, je pense que c'est le meilleur endroit pour s'arrêter. Ça à une main, c'est parfait, il n'y a rien à redire. Donc on va faire ça et on va mettre ça là-dedans. Merci à vous. Et du coup voilà, première accordée. Alors, explorer le manoir de Lyoric, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'on va s'arrêter là. Donc je vais d'abord tout simplement retourner en ville. Alors, on a notre point de sauvegarde, donc on pourra revenir là comme on le souhaite. Je vais juste vendre un petit peu les objets et surtout recycler. On va surtout recycler. Alors du coup c'est bidon. Demain. Voilà. Et je pense que on va mettre une gemme de force, c'est ça? Point de dégâts, ouais. Voilà. Au moins ça peut nous servir un petit peu plus, ça serait pas mal. À plus 10 de force. J'ai du 9. Ouais, mais ton 9, 1, écoute, la peau du cul, et 2, il y a mieux quoi, il y a aucun truc qui augmente les dégâts correctement. Et là, à part ça peut-être. Allez, on y fout à part ça. Qui est bien, le reste à chier quoi. Impossible. Ok. Tant qu'on peut augmenter un peu les. Un petit peu la robustesse, enfin l'armure et tout. C'est quoi tes nouveautés encore? Tes conneries? Oh putain, les conneries encore. Oh, tu abuses. À chier. Ouais, c'est à chier en fait. À chier, mais tout est à chier en fait. Sérieusement. Faites un effort quand même. On peut former. Niveau 4. Ouais. Ouais, parce qu'il faut au bout d'un moment, hein. Il faut au bout d'un moment évoluer le truc, mais bon. Il y a un autre marchand ici, hein. Écoutez, y'a rien. Mais il faut me promettre de dire à personne où vous les avez. Il y a rien. Il y a rien. Même là, en termes de. Regardez, dextérité, mais pour le moment, c'est bien la dextérité, mais au bout d'un moment, on fait chier. Et c'est pas nous qui devons avoir la dextérité. Nous avons choisi barbare. C'est plus la dextérité, c'est plus pour les genres de moines, je crois. Je sais plus comment ils s'appellent. Le truc genre de, qui ressemble à des paladins, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, c'est plus ça quoi. Au moins les croisades, c'est tout. Mais pas moi quoi. Enfin, j'en ai besoin certes, mais pas autant. Ce que j'ai plus besoin, moi, c'est c'est plus pour la force et la vie. Force et endu. Même si la vie, finalement, on est à 4200, c'est pas non plus. Voilà, il y a pire et il y a mieux, donc c'est pas non plus oufissime. Mais voilà, en tout cas, on est niveau 26, les amis. On va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on aura fait, pas mal de choses dans cet épisode. Moi je suis content de cette avancée, hein, je suis très content de cette avancée, on peut voir mon profil, voilà, ça fait 5 heures de jeu.
Voilà, 5 heures de jeu, on avance, on progresse. J'ai beaucoup joué, donc gagné d'expérience à partir de Paragon à partir de 70. Ah, bon, on est à peine niveau 26, mais on peut voir qu'on commence vraiment à bien se mettre, tout simplement. On commence à avoir un perso assez propre, assez correct. Alors, on peut voir également les autres races, si vous souhaitez. On peut aller simplement réduire la difficulté. Non, on va pas réduire la difficulté. J'aimerais bien l'augmenter, mais vous ne pouvez pas augmenter le davantage de la difficulté sans commencer une nouvelle partie. Donc, on va quitter la partie. Voilà, on prend une partie. Je vais vous montrer, du coup. Je vais vous montrer un peu les autres classes, les autres... Peut-être un petit peu vous expliquer et tout. En tout cas, moi je suis content. On aura très bien avancé aujourd'hui. Je pensais pas honnêtement qu'on avancerait aussi à ce point quand même. Je trouve qu'on a. Waouh, on s'est pas mal débrouillé. Voilà. On s'est vraiment pas mal débrouillé. En 1h30, 2h de vidéo. Il y a mieux, il y a pire aussi. Donc, du coup. Par exemple, on va du coup changer de héros. Et du coup, vous avez vu qu'il y a 4... Il me reste 13 emplacements supplémentaires. C'est déjà énorme. Et voilà. Donc, c'est tous les persos que je peux me faire. Et par exemple, quand je vais en créer, regardez bien. Alors, c'est le mode extrême, mode saisonnier, mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, il y a le barbare que vous connaissez. Voilà. Après, vous allez croiser. Donc, ça, c'est avec la, les Reaper of Soul. Donc, c'est grâce à Reaper of Soul, l'extension, que vous pouvez avoir le croisé. Donc, c'est parfait. C'est une très belle classe de personnages, le croisé. En plus, c'est entre les attaques et la beauté du personnage. Bah, tout part et en plus vous pouvez enchanter des choses de dingue avec ça. Au cas où les croisés, c'est plus si mes souvenirs sont bons, c'est aussi la force, la dextérité et il y a également de la robustesse que vous devez aussi avoir. Mais voilà, chasseur de démons, c'est là où joue l'intelligence, c'est là où joue la vie, la vitalité, c'est très important. Et voilà, donc les chasseuses de démons, pour vous montrer à quoi ça ressemble un peu. Monial, voilà, c'était les moniales que je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, c'est les moniales. Nécromancienne, celui-ci vous débloquerez uniquement avec la petite sous-extension de Diablo 3, le retour du nécromancien, dans lequel vous pouvez débloquer du coup cette classe, et c'est énorme. J'adore, honnêtement, elle est pas mal fichue. La fétichuse, c'est assez compliqué, parce que la fétichuse, en fait, c'est que vous devez avoir une ressource de mana, mais qui est juste dingue, parce que c'est un personnage, au cas où, assez compliqué à jouer. Voilà, au cas où, je crois que de tous les personnages qu'on peut choisir à gauche, c'est la plus compliquée. Vous avez la sorcière, bien sûr, mais la sorcière, non, au cas où, c'est la fétichuse la plus vraiment, il faut bien être pro pour au moins gérer un féticheuse et pour au moins monter un féticheuse. On peut voir même sa caractéristique principale, c'est l'intelligence. Ici c'est l'intelligence, la dextérité, comme je vous ai dit tout à l'heure. La dextérité, la force et la force. Donc voilà, donc c'est trié, force, dextérité, intelligence. Voilà. Est-ce que je me créerai un personnage... un autre personnage, oui, c'est prévu. Hein. C'est prévu que je me crée un autre personnage. Pas dans les épisodes qui viennent, mais bien plus tard. On va quand même augmenter le barbare. J'aimerais bien avancer. On n'a même pas fini l'acte 1. Il y a 5 actes. Hein. On n'a même pas fini l'acte 1. Donc, on va se calmer. Hein. Le héros extrême, je pense pas. Peut-être. Alors, vraiment, si je devrais me le créer, ce serait très tard. Mais vraiment super tard. Mais ça m'étonnerait. Et héros saisonnier, reprenez à partir de zéro et mesurez-vous à vos amis pour obtenir des récompenses exclusives. Bon, c'est pas non plus là, je préfère jouer limite le vanilla de Diablo. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Et de toute façon, voilà, on peut. C'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal. On peut même regarder. Renaissance du héros saisonnier, vous êtes à le point de faire renaître le héros, ça va vous retirer tous les objets équipés.
Donc non, évidemment non. Et du coup, on peut... Alors on va choisir, oui. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, on a bien avancé. Au cas où, la progression que vous voyez, c'est jusqu'au niveau... En fait, la plus on augmentera de niveau, plus ça augmentera. C'est mes souvenirs sont bons. Donc en fait, quand ce sera niveau 70, tout sera... En fait, la barre sera entièrement rouge. Etc, etc. Chasseur de démons, elle est violette. Nécromancien, je crois, elle est entre bleu, ciel et gris. Croisée, je crois qu'elle est blanche. Moine, elle est jaune. Féticheur, elle est verte. Et sorcier, elle est bleue. Ouais, je crois que c'est ça. Mais voilà. On a bien joué, on a bien... Voilà, on peut même inspecter mon stuff. Mais voilà, bon, on va s'arrêter là, les amis. Et je vous dis, bah, du coup, bah, à la prochaine fois pour l'épisode... Je sais pas combien, du coup, sur la chaîne normale. Mais pour l'épisode, sinon, pour la chaîne principale de Let's Play, l'épisode numéro 17 de Diablo 3. Et puis, voilà, on avancera encore. Et peut-être, j'ai dit bien, peut-être, on pourra terminer l'acte 1. Voilà, il est... Peut-être possible qu'on termine à l'acte 1 la prochaine fois. Voilà, je vous en dis pas plus, mais il est peut-être possible qu'on le termine. Voilà. Parce que dites-vous que on est déjà niveau 26, il y a 70 niveaux. Sachant que les 70 niveaux sont dans les actes. C'est pour les monter, c'est dans les actes. En gros, vous passez de niveau 0 à 70 avec les 5 actes. On est déjà 26, on est presque à la moitié. On a à peine fait un acte. Je pense que vous imaginez que... Après, ça va s'accélérer. Et voilà, quoi. Et voilà, écoutez. Bon, en tout cas, je suis très content de vous partager ce jeu, de vous partager un peu mon petit LP à moi. Et voilà, je trouve que c'est bien, c'est sympathique. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde, et peace!